Et salut tout le monde, c'est Onink. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau Let's Play sur le jeu Fist Forged in Shadow Torch. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Nouveau Let's Play sur un petit jeu indé, comme on a l'habitude d'en faire sur la chaîne. Hein, vous l'aurez bien compris quand même, à force je pense que c'est passé. J'aime jouer à des jeux indépendants, j'aime découvrir des jeux indépendants. Et celui-ci ne fait pas exception, ça va être une découverte. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et bien en fait, j'en sais pas grand-chose, à part qu'on va jouer du coup ce lapin qu'on voit en premier plan avec ce gros bras. Regardez, il va nous faire une démonstration, voilà. Merveilleux. Et c'est un Metroidvania, donc on va obtenir des capacités qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre de faire des nouvelles attaques. On va débloquer des améliorations de vie, des trucs comme ça. Bref, voilà quoi. Un Metroidvania classico-classique. Et on va du coup démarrer une nouvelle partie. J'avais lancé une partie juste pour faire quelques tests. Et j'espère du coup que ça ira. Parce que du coup, de ce que j'ai testé, ça va. Seul bémol, mais j'y peux rien, c'est les sous-titres qui filent à une allure. Genre, il y avait une phrase à un moment, il devait y avoir, je sais pas, entre 5 et 10 mots. Le sous-titre, il est apparu 2 secondes, quoi. Je n'ai pas eu le temps de lire le deuxième mot, que c'était déjà parti. Donc, je sais pas si c'est un bug que j'ai eu, si là ça ira mieux, mais si vous voulez lire, bon, vous pourrez mettre pause, mais moi ça va être compliqué quoi. Bref, puis au niveau de la qualité de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être fluide. Si jamais ça ne l'est pas, bah, je m'excuse, du moins pour ce premier épisode. Parce que du coup, je baisserai peut-être des graphismes et tout, mais de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'aller. Donc, nous sommes partis. On va aller en normal. Et let's go! I will not let this power fall into the wrong hands. Especially not yours. Traitor! I'll never let the Legion have the spark! Happy birthday, Ray! Wanna have a drink together? Alors, vous avez pu voir du coup les sous-titres. Effectivement, ça passe vraiment vite. Hein. Encore une fois, je le savais en plus et j'ai pas eu le temps de lire la première ligne de dialogue. Bon, après, il y a les voix, donc on peut un peu comprendre si on comprend l'anglais. Mais c'est un petit peu agaçant. Donc,
Nous, on est donc ce petit lapin blanc à droite qui semble s'appeler Ray. Je pense pas lire les dialogues vu qu'il y a un doublage, donc voilà. Here you go, two bowls of longevity noodles. Eat it while it's hot. Curfew is approaching and I should start packing up. Some other day. I'm not in the mood. Haven't seen you for a while, Ray. You know Urso. He spends his days cooped up tinkering with things. Oh! I almost forgot. I've got a surprise for you. Here's old Urso's latest invention. MCI Radio. Radio ICM. It's a tracking device and radio all in one. I made it look old, so it's just like the one our team once used. Let me show you how it works. Attention all Fertizens! Attention all Fertizens! Assemble at Chuan's Noodle House at once to celebrate Raiden's birthday! I repeat! Enough. Yeah, keep it down or so. Ever since the big boom, curfews and weapons searches have destabilized things. When will it ever end? What are you afraid of? Those Legion Iron Dogs won't be yapping for much longer. I've really been giving them the boot recently. Went and hacked those Iron Dogs' transformer system. Ray, join us! And let's give them hell together. Give them hell? We need our old gear to fight those Iron Dogs. Whoa! Ray, you and I think alike. I was finally able to fix your fist. Stop messing around with it. It's just a piece of scrap now. Scrap? I might not be able to repair the entire armor, but the fist at least. Keep it down, guys. Security's been cracking down recently. It's been 6 years already. Even if you manage to fix the fist, what can we do with it? Forget it, Urso. It's in the past now. Our time has passed. Look, Urso. I just don't think he's ready yet. And well, you have to give him more time. Been 6 years already. Is he going to hide all his life? Le lendemain. What's going on? Urso's been arrested. The Iron Dogs just came to the noodle stall and took Urso away. This was Urso's, but I hid it for him. I don't understand this veteran stuff. I'll leave it in your hands. This machine still works. Let me try to get a fix on Urso. Short Snatter's prison. Prisoner 41, Urso. Deporting. Oh, Urso's been taken to Torch Tower. That's it. He's done for now. I've never heard of any Fertizen leaving Torch Tower alive. What can we do? I'll head over to Torch Tower and bring Urso back. Do you really want to take this risk? You know that Urso is the only friend I have left in Torch City. This is for you. Urso left it. That you would need it. Good, voici un jeu. This is Old Town. Torch Tower is to the northeast. Les cinématiques sont très très belles en tout cas. C'est très sympa à regarder. Ok, alors on peut du coup taper aussi. Il n'y a pas de double saut, très certainement à débloquer plus tard. C'est très sympa visuellement. Comme je disais, voilà, les cinématiques et tout, c'est sympa, mais même là. You dare wander about during curfew, buddy? Get him! Attaque légère et attaque lourde. Out of my way. Ah, c'est des combos. Je
pas l'impression. Il y a eu un espèce de momentum. Voilà, utilisons des mots compliqués. Quand j'étais en train de l'attaquer, alors peut-être que c'est comme ça qu'on fait des combos. Et... ok, alors on récupère de l'argent aussi. Comme on dit, poilu un jour, poilu toujours. Les poilus au service des poilus. Les poilus savent se débrouiller, c'est certain. Vivi. J'aime beaucoup. C'est un petit mélange. Ok, c'est un petit mélange cyberpunk. Cyberpunk et genre. Temps moderne. Enfin, ouais, non, c'est sympathique. D'accord, on peut charger. Ça fait des dégâts? Attendez, j'aimerais qu'il se relève. Non, non, on est bien d'accord. Oh là là, et je sens que ça va être satisfaisant le gameplay de ce jeu. Ah ouais, ok, on peut aller là, mais... Là, par exemple, là je peux pas aller plus haut. Hein. Alors que pourtant, il y a bien une flèche qui me dit, regarde, il y a un truc en haut. Ok. D'accord, donc ça doit soigner sûrement. Là à droite, il y a un truc. Là, ça bouge. Ah, mais attendez, je peux. Voilà. C'est une tirelire. Je pouvais quand même pas faire ça en haut, je crois bien. Why? C'est trop. Why do we have to guard this broken transformer? And why aren't we allowed to recharge? They say some dumbass bear hacked our system. All transformers in the city are now out of order. Didn't they catch that dumbass bear? If they stayed that way, I am going to run out of power. Then shut up. That'll save some power. Oui, ok. Ah, d'accord, je peux faire des exécutions. Ok, ah ouais, non, mais faut appuyer au bon moment. Ok. D'accord. Transformers, what did Urso get up to? Double feu. Saut de mur. Ok. Donc c'est ces trucs là qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles capacités. Je veux juste... Non, y a rien, ok. Missing map data. Looks like the tracking function is still offline. Raiden to Urso. Raiden to Urso. I need to get to Torch Tower right away. Hop. Ah merde, oui. Juste à passer à la porte en fait. Aïe. Appuyez pour un menu d'un. Consultez vos compétences spéciales, l'argent gagné, les fragments de je sais pas quoi parce que c'est pas écrit en entier. Donc la carte, c'est ce qu'il disait, on n'y a pas encore accès. Capacité, d'accord, donc on a un peu une idée de ce qu'on va obtenir en capacité. Ok. Ok.
Allez, ça fait une petite ciné et tout. Ah, les renforts arrivent apparemment. On peut voir au fond. C'est chou cette plateforme en fait, non? Il y a des chemins partout là, ça y est, ça commence. Graines de plantes. Alors. Ah oui, je vois que j'en ai une, ok. Pour l'instant, pas trop d'autres infos. Hey, l'ami, la lune est-elle jolie ce soir? Ok. D'accord, je peux pas monter plus haut là, si. De la vie. Info de l'Est numéro 1 obtenue. Alors ça, ça doit être des documents, ouais. Alors, premier numéro des infos de l'Est. Les infos de l'Est ne sont les amis ou les ennemis de personne. Elles sont simplement du côté de la vérité. En tant que créateur, éditeur, journaliste et seul rédacteur des infos de l'Est, je m'engage, moi, Scoop le Malin, à vous apporter les dernières nouvelles de Torch City. Je suis ouvert aux questions et aux contributions de tous, y compris de la part de ces ordures du commandement de la Légion ou du gang des rats. C'est tout pour cette fois. À la prochaine, Scoop le Malin. Je peux pas casser ça. Après, là, c'est le truc où je suis passé tout à l'heure. Où je récupérais une graine. The number of dog patrols has increased. Torch Tower can't be far away now. Raté quoi. Sûrement plusieurs, j'ai l'impression. Et il en faut 3, d'accord. Ça de l'HP redonne de la vigueur et plus d'endurance. Il faut 3 échantillons pour activer l'effet. Les rats ne sont pas forts pour rien. Ok, il raccourcit. Je suis très perturbé parce que depuis tout à l'heure je vais essayer de faire des doubles sauts en fait. Or, je ne peux pas, je ne fais que des sauts contre le mur. Mais attendez, il y avait un chemin dessous aussi. Oh là là! C'est là la suite? Ah merde, ok, ça se rejoint. Hey.
la tirelire. Voilà. Ah, il y en a une de l'autre côté aussi. Je crois pas qu'elle était atteignable. Ou alors c'est depuis ailleurs. Et j'ai pas l'impression que je puisse aller plus haut. Ouais, donc je pense qu'elle est pas atteignable pour l'instant celle-là. Hey, it's Ray. Out for some air during curfew. Word of Urso's arrest has gotten out. You carrying that big thing on your back to go and rescue him? You sure keep your ears close to the ground, kid. I'm going to Torch Tower. Show me the quickest path. You get straight to the point. There's a ventilation port outside of Torch Tower. You can ride the wind to get there. Urso made this radio, right? Let me see, Ray. Tagged. I copied this map myself, and it's not for sale. But I want to thank you for saving my life before. I bet Urso got a lot of help from you with the radio's tracking function. You've discovered me and Urso's little secret. Our organization's taken over those Iron Dogs' terminals, too. Ray, try this terminal. Ouais. Pas sûr. Ah bon, ça c'est peut-être pour soigner. Et débloquer les compétences. Ouh, je m'attendais pas à ça. Waouh. Ça, ça a l'air sympa. Donc ça, on l'a de base, hein, exécution, ouais. Exécution plus. Récupérer des EP. C'est de l'argent, les EP. Pour l'instant c'est celui-là qui m'intéresserait le plus, mais j'ai pas assez, donc on va économiser. Ray, your radio records all the places you visited. If you get lost, just open it up and OK. D'accord, on voit la map. Ah, c'est un peu dommage le visuel de la map quand même, ça fait, ça casse un peu le truc du menu quoi. Ok. Au tout début, il y avait un truc. Ah, mais je vais pas y retourner. Merde, attendez. Il y aura sûrement des trucs pour se TP, non? J'espère. Ok. Here, get your pump. One bottle keeps you up all night. Just a sip will send you all the way up Torch Tower. It's just 10 fursos and... Your rumor mongering is more famous than pump. I'm busy. Pump! Ah, c'est bon, j'ai... Oh là, il y a eu un petit freeze. This is a restricted military area. No unauthorized access allowed. Hop là. Voilà, mais il y a des petits freeze là. Ah ouais, mais du coup l'échelle ça m'a fini. Ah, un pied.
map. Responsible for hacking the terminal? Why did the boss order us to stand guard here? There's a group of them, so it's organized crime. They nearly stole the transformer drill last time. The drill is under heavy guard. It'll be suicide for any Fertizans that try to get inside. Those scum have no chance of getting to Torch Tower without the drill. I need to get my hands on the transformer drill to climb Torch Tower. Better head back and find someone who knows where the drill is. Okay. D'accord. Ouais, donc... C'est pas par là pour l'instant. Mais il ne fallait sûrement avoir l'information. On n'a rien vu. Pas du tout vu des textures non chargées pendant un moment. Enfin, c'était plus que des textures, c'était carrément un décor. Officer, the pump is just carrot juice and water. I'm just a snake oil vendor. I wouldn't dare touch weapons. Hey, easy there. Looking for weapons? I've got some. Bim, bim, bim. Too close. The arms business is too dangerous now. Wang, where can I find the transformer drill? Shh, keep it down. That's some big league stuff. The organization once sent Master Wu to try and grab it from the Iron Dogs. Now you're looking for the transformer drill too? That's right. It's no doubt guarded by a crack team of Iron Dogs. You should go talk to Master Wu. He'll know. Go through the secret door on the left side of my room. That's where Master Wu's group is hiding out. Thanks. Master Wu is really spry for his age. All thanks to... Want a bottle for a little pick-me-up? It's free. You saved me, after all. Appuyez pour sélectionner la joute carotte dans la roue des outils, sûrement rester une petite quantité de PV. D'accord. J'ai pas vu qu'il y avait ça. Alors, info de test numéro 2. Numéro 2, au cœur de la Légion. J'ignore pourquoi je n'ai pas reçu de contribution après mon commentaire incendiaire du dernier numéro. Peu importe, j'ai quelque chose d'encore plus explosif. Les Fauniens l'ignorent peut-être, mais les soldats de la Légion n'ont pas de cœur. C'est pour ça qu'ils ne signent pas et laissent derrière eux rien de plus que quelques nouveaux faunards et des médocs. Je ne sais pas vraiment par quoi sont alimentés ces soldats mécaniques, mais je tiens de source sûre qu'il est possible de récupérer de l'énergie en exécutant ces soldats. Les Fauniens les plus malins pourront utiliser cette énergie pour alimenter les outils de combat. Je n'ai donc pas d'infos pertinentes comme celle-ci. Ne manquez pas au prochain numéro des infos de l'Est. Pensez à contribuer. Dans le décor. Ah.
même. Merde, j'ai raté l'exécution. Eh, y'a plus qu'un. Obtenir une capacité parce que je peux plus revenir en arrière là. Alors, je pensais que j'aurais pas pu taper à cause du bouclier, mais en fait c'est passé crème. Mr. Wu, you still got some fight in you. It's little Ray. What do you want with this old man? I came for the transformer drill. I heard that Master Wu knows where it is. I see. They got Erso. I need the transformer drill to climb Torch Tower. I'll get him out, no matter how dangerous it gets. So that's why you dug out that fist of yours. Right. The organization tried to get the drill, but failed. The Iron Dogs have strengthened their security, so rushing in is suicide. I don't know how good your skills are after all these years. There are several robot puppets inside. Warm up first, and I'll teach you a few tricks. Okay. Not bad. After all these years, you're still an ace pilot. Your power fist has immense potential. My power punch is just right for you. This is just a minor trick. The fist is a machine, after all. If you want to make it stronger, you'll need to exploit the mechanical power of the Legion. You must find data disks in order to learn more moves. Data disks? Uh-huh. Yes. This is what I heard from the Iron Dogs. Their local boss, Feral, is downtown now and carries a data disk. Master Wu, there is no time to waste. Let me rescue Erso before going after the data disk. Ray, no offense. But you just don't have the power to infiltrate the Legion all by yourself right now. You must defeat Feral and prove your strength before I can trust you with the drill's location. Very well. I'll find Feral and get the data disk. The power punch I taught you just now can not only strike enemies, but also punch through the security barriers those Iron Dogs installed in the city. You shouldn't have trouble finding Feral. Right. Find Feral, retrieve the data disk, and ask Master Wu about the drill's whereabouts. Okay. Bim! Ok, alors attendez, parce que...
juste un chemin où je suis pas allé là. Je sais pas si je peux en fait. Ah, juste. Ok, je pensais que ça passait pas. Ah, ça, on est d'accord, je peux pas. Non. D'accord. Ah, si, on peut le faire avec ça. Ok, on peut le faire aussi avec le coup puissant. D'accord, voilà, là il bloque. Tout à l'heure il bloquait pas du tout son pied. Bon, ok, en fait ça doit s'ouvrir de l'autre côté ces portes comme ça. Ah! Voilà, on a une jauge en plus. Non, j'ai... Exécution. Voilà, bim. Je paumais, il y a trop de chemin. Là ça doit ramener au niveau de la porte je pense. Il y a déjà pas mal de chemins que j'ai laissé de côté un peu. Ah donc ouais, ça par contre je peux toujours pas. On est bien d'accord. Je ne peux point. Ça aussi je peux pas. Oh, vous avez vu, elle est grise celle-là, donc elle doit rapporter plus. Mais je ne peux pas. Ah, combat, très certainement. Ah non. Ah merde. Ok. Bah, sûrement en revenant là. Obtenons une amélioration. Double saut, ah bah voilà. Oh, je vais enfin arrêter d'être frustré par ça. Ok, on a combien de temps d'épisodes là? Et ouais, on va peut-être se laisser là pour ce premier épisode. On va juste récupérer les petits trucs qui traînent au coin. Hop, j'espère en tout cas que ce let's play vous plaira. Moi, pour l'instant, j'aime bien. Hop. On va lire ça.
Le commandement de la Légion dans ce numéro de nouveaux secrets de la Légion révélé. Comme tout le monde le sait, les méga-chiens sont la pierre angulaire de la Légion. Certains savent même utiliser le point fusée. Peu ont survécu pour en témoigner. Un maître des arts martiaux qui souhaite rester anonyme nous a révélé avoir vu cette capacité et avoir même utilisé son point puissant pour parer le point fusée. Il ajoute que seuls les meilleurs guerriers peuvent maîtriser le point puissant. Le point fusée est également difficile à contrôler. Vous pouvez donc poser la question suivante. Que faire si nous nous retrouvons face à un méga-chien? Sa réponse fut des plus succinctes. Fuyez. Scoop le malin. Écoutez, ouais, on va cesser pour cet épisode du coup. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je disais, voilà, moi pour l'instant, j'aime bien, c'est très sympa. J'espère que vous appréciez aussi. Et on se retrouve du coup pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!